Psaume 103. Nous sommes en train de parler de culte. Un culte agréable. Un culte qui touche Dieu. Et depuis avant-hier, on parle de parties de culte. Ou les parties d'un culte. Nous avons dit que le culte est divisé en deux parties. Nous avons la partie qui se dirige vers Dieu. Et nous avons la partie qui nous intéresse. La partie qui vient de la part de Dieu, notre part, notre réponse, de la part de l'Éternel, ça fait partie du culte. Lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous rendons à Dieu un culte agréable, si vous allez à YouTube, vous verrez tous les numéros, toutes les séries de ces messages, vous en aurez pour les retourner parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais j'aimerais dire ceci, lorsque nous nous présentons devant Dieu pour nous offrir un culte, bien aimés frères et sœurs, il y a des choses qui se font. Il y a une partie qui monte et il y a une autre partie qui descend. Alléluia. Alors l'homme a besoin de la partie qui vient d'en haut. C'est ça qui change les données. Mais pour que, n'est-ce pas, une partie vienne d'en haut, il faut que ce que toi, tu dédies à Dieu ici sur la terre, puisse répondre aux principes de Dieu, puisse toucher le cœur de Dieu. C'est alors que le Seigneur ouvrira sa bouche et il va libérer les choses. C'est un peu comme le corbeau et les renards. Alléluia. Amen. Il faut voir comment séduire, toucher les cœurs de Dieu. C'est très important. Amen. Vous savez, j'aime le cœur des adorateurs dans la Bible. Les hommes comme David, ce sont des hommes qu'on ne peut pas arrêter. Ce sont des hommes que Dieu peut toujours témoigner. Amen. Ce sont des gens qui vivent dans la gratitude. Car nous avions dit, dans la première partie du culte, nous avons la reconnaissance. Dans la reconnaissance, nous avons la gratitude. Dans la reconnaissance, nous avons, n'est-ce pas, les remerciements. Dans la reconnaissance, nous avons les témoignages. Dans la reconnaissance, nous avons la louange et l'adoration. Dans la reconnaissance, nous avons les actions de grâce et autre encore, les offrandes volontaires qui prouvent notre reconnaissance envers Dieu. À un certain moment, à une certaine dimension, la reconnaissance ne se fait pas verbalement. À un certain moment, la reconnaissance, bien-aimée, on peut les palper. Amen. On peut les palper. Il y a des actes que l'homme peut poser qui expriment sa reconnaissance envers le bien. Amen. Alors, étant enfant de Dieu, on ne doit pas être seulement verbal. Nous devons être spirituels. Nous devons être prophétiques pour poser certains actes qui révèlent notre reconnaissance envers Dieu. Mais dans la prophétie. Alléluia. Étant dans la prophétie, étant dans la révélation, tu sauras comment toucher Dieu. Pourquoi le Seigneur, il marche derrière les Écritures. Amen. L'homme de David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Qu'est-ce qui est en toi qui bénit le nom de l'Éternel? Qu'est-ce qui t'appartient? Que toi tu sais que ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta propriété, parce que le Seigneur peut le prendre à n'importe quel moment. Tu es reconnaissant que ce qui est à toi n'appartient pas à toi, appartient à Dieu. Parce que tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui le protège. Amen. Pourquoi il le protège? Parce que tu l'appartiens. Si tu l'appartiens, ce qui est à toi appartient aussi à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors David ayant cette connaissance, lorsque l'ennemi il offre son culte à Dieu, il le présente à Dieu d'abord la reconnaissance de savoir que tout ce qui est à moi doit bénir le nom de l'Éternel. Tout ce qui est à moi doit nous rendre un culte agréable. Amen. Tout ce qui est à moi, sans exception, nous avons à nous le corps et tous les membres. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce qui te compose doit être le sujet de gloire pour le Seigneur. Amen. C'est ça, bien-aimé. C'est là où on va commencer maintenant à repérer le cœur d'un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas celui qui chante. Un adorateur, c'est celui qui a un cœur.
Alléluia. Des fois, on confond les choses. Je chante très bien. Non, non, chanter, ce n'est pas être un adorateur. Mais tu dois avoir les cœurs d'un adorateur. Les cœurs de ceux qui aiment Dieu. Les cœurs de ceux qui disent, Seigneur Dieu, tu peux prendre la royauté, mais je vais réparer avec toi. Amen. Amen. Des fois, frères et sœurs, nous ne sommes pas les vrais adorateurs. Pourquoi? Nous conservons notre vie que celui qui nous l'avait donnée. Alléluia. Oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? J'ai fait une étude un peu approfondie à des circonstances qui nous arrivent. Pour l'intérêt de l'homme, l'homme ne se protège pas. Mais pour les intérêts de Dieu, l'homme se protège. Alléluia. Dieu dit. Lui, il protège ceux qui le font quoi? Confiance. Lorsque tu fais confiance à Dieu, il te montrera l'équilibre. Parce que ceux qui se confient en Dieu, ils marchent avec prudence. Amen. Et cette prudence ne viendra pas de moi, de toi. C'est Dieu. Il sait comment. Parce que vous allez comprendre que c'est Dieu qui nous guide. Alléluia. C'est lui qui nous guide. Lorsque tu sors, lorsque tu marches selon toi, tu peux croire que tu connais le chemin, mais tu ne connais pas où mettre tes pas. Amen. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi, doit te bénir, éternel. Je détiens un corps qui doit bénir Dieu. Alléluia. Ceux qui m'ont suivi, bien-aimés, durant ces 10 journées, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire, si je peux dire la vérité de ce que moi, ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat, que nous devons faire un travail pour aimer Dieu. Alléluia. Nous devons faire un travail pour aimer Dieu. Vous savez, lorsque je vois la vie de David, ça m'inspire beaucoup sur les cultes. Lorsque je vois la descendance de David, il m'inspire beaucoup sur le culte. Vous savez pourquoi? Parce que David, après les moments de détresse, il ne cherche pas d'abord à se satisfaire. Il cherche d'abord à aller rencontrer Dieu. Amen. Oh. Amen. Non, j'aimerais bien que les gens me comprennent. Alléluia. Lorsque David était dans la détresse, à chaque fois qu'il est dans la détresse, sa première préoccupation, c'est consulter Dieu. Alléluia. Lorsque David a perdu son enfant, il était en deuil. Sa première préoccupation, avant de tout faire, il est parti au temple consulter Dieu. C'est ressourcé. Alléluia. Amen. Mais écoute, lorsque le malheur nous a abattus, lorsque le malheur nous a bien aimé, n'est-ce pas, passé dans nos vies, passé dans nos maisons, après le malheur, c'était quoi? C'était consulter Dieu? Non. Vous allez voir. J'ai dit ce qui est réel. J'ai dit ce qui est vrai. Amen. Amen. Vous allez comprendre. Je crois que vous serez d'accord avec moi. La première des choses, j'ai dit la première des choses que les hommes ont fait, c'était pas aller consulter Dieu quelque part. C'était pas aller adorer Dieu. C'était aller acheter. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous acclamez. Vous acclamez Jésus. Oh. Acclame Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Pourquoi David était un homme reconnaissant de bienfaits de Dieu? David était un homme reconnaissant que sa vie ne dépendait pas de lui. Un adorateur qui rendait à Dieu un culte agréable. Et son culte touchait le cœur de Dieu. Et à chaque fois, Dieu sondait son cœur. Et Dieu a conclu par dire que David est l'homme selon mon cœur. Non, et non selon mon pied, selon mon cœur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous puissions révéler au monde, nous puissions révéler aux gens que nous sommes les hommes selon le cœur de Dieu. Vous direz, c'est le temps de David. Non, nous portons l'homme que nous nous ressemblons. C'est toi qui ne veux pas te ressembler à lui, mais tu le portes, il est en toi, mais tu le mets de côté pour te ressembler à une autre personne.
selon les cœurs de Dieu. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi. Alléluia. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tout ce qui est à tout ce qui est à toi. Psaume 103. Je prends une autre version. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis, dans la semaine, on dit ça. Que tout ce que je suis loue les dieux saints. Tout ce que tu es, écoutez-moi très bien. Est-ce que tu sais ce que tu es? Ta beauté que les hommes apprécient. Est-ce que tu sais ce que tu es? La vie que tu as. Est-ce que tu sais ce que tu es? La richesse que tu as. Est-ce que tu sais ce que tu es? Le parti de ton corps que tu trouves important. Le parti de ton corps que tu trouves, je ne peux pas le négliger. Ça ne t'appartient pas. Tout ton corps. Lorsque tu te vois dans le miroir, David dit, bénis l'Éternel, parce que je suis une belle créature. Bien-aimé, ta beauté doit, n'est-ce pas, magnifier, doit, n'est-ce pas, louer l'Éternel. Ce que je suis, ta personne à toi, ça c'est la reconnaissance du fait de louer l'Éternel, du fait de bénir l'Éternel pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, tu es en train de me rendre inquiète. Un culte n'est pas entré quelque part. Un culte, c'est ce que nous sommes. Parce que notre vie, ça révèle à Dieu un sacrifice. Mais quel est ce sacrifice que toi tu présentes à Dieu? David dit, tout ce que je suis doit bénir l'Éternel. Alléluia. C'est nous qui devons amener, n'est-ce pas, c'est nos bénédictions, c'est nos louanges dans nos familles. Parce que ma vie doit bénir l'Éternel. Parce que ma vie doit louer l'Éternel. Parce que ce que moi je suis doit bénir l'Éternel. Ce que je vois, bien-aimé, dans mon visage doit bénir l'Éternel. Ce que ma maison a et ce que ma maison est doit bénir l'Éternel. Notre vie est le sujet d'adoration, le sujet d'un culte agréable à Dieu. Et ce culte qui attire la gloire de Jésus. Le cœur de l'adorateur. Être chrétien, c'est être un adorateur. C'est être celui qui offre à Dieu un culte digne de son nom. Pour offrir à Dieu un culte, tu dois réaliser la grandeur de Dieu. David a compris que ce que je suis, ce n'est pas moi. Ce que je suis, c'est Dieu. Raison pour laquelle ce que je suis doit bénir l'Éternel. Ce que je suis doit glorifier l'Éternel. Doit louer sa sainteté. Et lorsque tu es un adorateur, sache-le, partout où tu es, tu changeras l'atmosphère. Je dis que tu changeras l'atmosphère. Parce qu'un adorateur est permanent avec l'Esprit de Dieu. Un adorateur est permanent avec celui qui l'adore. Il est permanent avec lui. Parce que Dieu aime le cœur des adorateurs. C'est le cœur des adorateurs qui attire Dieu. N'est-ce pas forcément l'adoration, mais c'est le cœur de l'adorateur. Parce que ce n'est pas à tout moment que l'adorateur déclare des paroles qui honorent Dieu. Mais rien que son cœur, lorsqu'il est, ce qu'il prémédite, ce qu'il médite en lui, ce que ses oreilles entendent, ça doit agréer Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans la justice, qui aime la justice. C'est ça rendre à Dieu un culte agréable. Un culte qui attire la gloire de Dieu. Si on arrive à connaître ces choses, nous serons tous humbles. Si on arrive à connaître ces choses, nous allons bien aimer nous briser devant ce Dieu. Pourquoi? Parce que cette humilité, c'est ça qui plaît à l'Éternel. Tout ce que je suis, c'est profond. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tout ce que je suis, ton être, tel que tu es là, ton âme, ton intelligence, ta sagesse, tout ce que tu es doit élever la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Ton être tout entier, tes pensées, tes décisions, oh my God, même tes soucis, doit être un sujet d'adoration. Tout ce qui vient dans tes émotions, tout ce qui vient dans ton âme, tout te plaît. Parce qu'un adorateur, même ses larmes parlent. Parce que bien dans mes frères et sœurs, dans sa présence, il aime que Dieu. Il aime que Dieu. Tes larmes doivent plaire, tes regrets doivent adorer l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, dans ton entourage, il n'y a que la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le verset de ce passage dit quoi? Mon âme me dit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. J'aime lorsque on a parlé de Noé, frères et sœurs. Noé devait mourir, lui et sa famille. Et c'était une époque où Dieu a décidé. Trop, c'est trop. Le mal éternel est en train de grandir, est en train de croître. Je suis fatigué de voir le mal, de voir la saleté à mes yeux. Il dit, Noé, je vais exterminer ce peuple, mais je t'ai choisi. Alléluia. Je t'ai choisi. Bâtis-moi cette arche. Tu y entreras, toi et ta famille. Frères et sœurs, les gens sont morts, les têtes sont tombées, les hommes importants sont tombés, des personnes plus importantes que toi dans ce monde sont tombées, les chefs bien-aimés, les grands sont tombés. Mais je te dis, il y a une arche qui a été bâtie, il y a une arche qui a été bâtie par où toi tu es entré. À cet âme d'Élie, il y a un homme qui a gardé ta vie. La Bible déclare, nos vies est cachée en Jésus pour Dieu. Alors David, dans sa vie, il a parcouru des étapes et des étapes. Il était entouré des ennemis. Et ne c'est pas des faibles ennemis, mais des rois et des hommes forts. Mais David était caché dans l'arche de Dieu. David était caché dans l'arche de Dieu. Raison pour laquelle il lui dit ceci. Il lui dit ceci. Je suis reconnaissant de bienfaits de Dieu. Combien de malheurs que tu as parcouru dans ta vie. Et parlons même de ceux qui a battu le monde dans ce temps ici, bien mes frères et sœurs. Combien sont morts? Combien de ton entourage sont morts? Combien de ton entourage était dans les hôpitaux? Bien mes commences, combien ont souffert? Mais on est là. On est là inaperçu. Les choses passent inaperçues. Combien des enfants d'autres sont morts? Mais dans ta famille, personne n'est touché. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu t'es protégé. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu portais le masque. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu t'es lavé les mains. Non, ce n'est pas ça. C'est le bienfait de l'Éternel. Alléluia. N'oublie aucun de ces bienfaits. Pour David, bien-aimé, frères et sœurs, lorsqu'il voit la lune, lorsqu'il voit le soleil, c'est un bienfait de Dieu. Lorsqu'il se déplace, il retourne, c'est un bien, c'est un fou de Dieu. Même s'il veut prendre un bain, il prie. Boire de l'eau, il prie. Les gens vont dire, tu exagères. Non, je reconnais seulement le bienfait de Dieu. C'est ça qui me pousse à lui dire à tout moment, tu es tellement merveilleux dans ma vie. N'oublie pas. Noé a compris ce mystère que David devait comprendre plus tard lorsqu'il est sorti de l'arche dans le livre de Genèse, chapitre 8. La Bible déclare, Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a pris quoi? Il a pris les animaux purs. Il a offert à Dieu. Il a offert à Dieu. Pourquoi Noé? Personne ne lui a dit de prendre, n'est-ce pas, ces animaux, d'offrir à Dieu. Mais Noé a compris, si je vis, si je vois encore ma famille, c'est une grâce de Dieu. Je n'ai pas fait des efforts, j'ai aussi péché comme ces gens-là. Mais ce Dieu m'a choisi par son élection. Mais ce Dieu a eu pitié de moi. Mais ce Dieu a eu pitié de mes enfants. Mais ce Dieu a eu pitié de ma famille. Il m'a caché, il m'a protégé. Et maintenant que les choses arrêtent, je dois lui dire quelque chose. Noé n'a pas voulu seulement parler, mais il a voulu poser l'acte de reconnaissance. Amen. Amen. Alléluia. J'avais dit ceci. Lorsque Noé a pris, n'est-ce pas, les sacrifices, il a pris, n'est-ce pas, les animaux pires, parce que il avait la révélation de la sainteté de Dieu. Alléluia. On ne lui présente pas les choses qu'on ramasse.
on lui donne ce qui est pire. Noé, n'est-ce pas, a tué ses animaux et il a offert à Dieu. Bien aimé, frères et sœurs, je vous ai dit ceci. Un adorateur, c'est celui qui répare, c'est celui qui cherche comment effacer le péché. On efface le péché que par le pardon. Oh, il n'y a pas le pardon sans l'effusion de sang. Alléluia. Raison pour laquelle Noé a dû prendre les animaux, le tuer. Lorsque le sang a coulé, Dieu a vu le sang. C'est le principe de la Genèse dans le jardin d'Éden. Le sang a coulé. Noé était purifié. Sa famille était purifiée. Et son offrande était devenue de plus en plus agréable. Parce que Noé cherchait à arranger sa vie avec Dieu. Amen. Est-ce que tu peux imaginer, pendant que les gens mouraient, toi tu ne péchais pas? Pendant que les gens mouraient, toi tu ne faisais pas de mal? Pendant que les gens mouraient, toi tu ne faisais pas de mal? Toi tu étais super bien. Mais bien aimé, tu crois que ceux qui sont morts, ils sont morts parce qu'ils ont péché? Non, 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 non. Notre Seigneur cherche les adorateurs. Amen. Il cherche les gens reconnaissants. Il cherche les gens qui peuvent dire comme David. La reconnaissance. David pécha. Lorsque David a su qu'il a péché, David pleurait seulement la présence de Dieu. Pas la royauté, pas la richesse. Il dit non, non, non. Ta présence est plus que tout. C'est ta présence qui m'a donné la royauté. Ce n'est pas la royauté qui a attiré ta présence. Non, 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 non. Je dois chercher à réparer. Je dois chercher à te rendre un culte agréable. Parce qu'en te rendant un culte agréable, tu attires les merveilles auprès de moi. Ce n'est pas en ayant les merveilles que j'attirerai ta présence. Et lorsque les cultes, vous savez, les cultes, c'est quelque chose qui peut être matériel, mais qui a le fumée spirituel qui monte vers Dieu. Parce que, en réalité, Dieu mange le fumée qui sort de culte. Alléluia. Lorsque tu offres un culte à Dieu, tu nous offres un sacrifice agréable. Ce sacrifice matériel peut se transformer, n'est-ce pas, en esprit. Parce que Dieu est esprit, il mange les choses spirituelles. Tu fais nourrir Dieu. Et lorsque le Père mange bien, il finit par parler. Il finit par bénir. Lorsque le Père mange, il finit par bénir. Alléluia. Oui. C'est ça qui a fait que lorsque Noé a offert à Dieu son culte, un culte qui parle. Je disais que l'offrande de Noé parlait. L'offrande de Noé priait. Sans que Noé prie. L'offrande de Noé a poussé Dieu de dire, de donner des lignes nouvelles pour pouvoir, n'est-ce pas, Noé puisse bien marcher. Pour que Noé puisse avoir l'assurance que si aujourd'hui je sème, je vais récolter. Parce que je croyais que cette loi a été aussi abolie. Parce que le monde a été détruit. Non, parce qu'il y avait quelque chose qui a, n'est-ce pas, renouvelé ces lois. Il y avait quelque chose qui a mis à jour ce que Dieu a dit depuis l'Éden. Il dit à Noé, à cause de ton culte, jamais, jamais je ne tuerai le monde. Jamais je ne tuerai encore l'homme comme je le fais aujourd'hui. Dieu n'était pas surpris de voir que le cœur de l'homme est mauvais. Dieu n'était pas surpris parce que Dieu le sait que l'homme n'est pas bon, que l'homme est, le cœur de l'homme est mauvais. Mais à ce jour, Dieu s'est repenti. Il dit, je ne le ferai plus jamais. Parce qu'il y a quelque chose qui est monté à moi. Parce qu'il y a un homme qui a compris que s'il vit, ce n'est pas lui qui vit, c'est moi qui vis en lui. S'il vit et sa famille, c'est une reconnaissance que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. S'il est là, parce qu'il sait que ma main est sur lui. Et cette offrande, ce sacrifice, ce culte, le culte, ce n'est pas du blabla. Culte doit être spirituel. Il y a beaucoup de choses à remplir dans un culte. Je vous amène à une dimension où bien mes frères et sœurs, lorsque tu pries, tu touches le trône de Dieu. Lorsque tu pries, tu touches l'Éternel. Il y a quelqu'un qui me comprend. Alléluia. Dieu ne reste pas muet lorsqu'un culte, un vrai culte monte vers lui. Non.
Dans le livre là, de Genèse 8, 20 à 21, Dieu a parlé. Dieu dit, non, écoute, voici le nouveau repère. Voici un nouveau départ. Écoute, tu sais, tant que le monde sera monde, la loi des semailles et la loi des moissons ne cessera jamais. L'hiver, l'été ne cessera jamais. Tu le verras toujours. Donc, tu es maintenant dans de bonnes bases. C'est toi-même qui dois compter les temps. Parce qu'il y a l'été et il y a l'hiver. Tu sais quoi planter à l'hiver, tu sais quoi planter à l'été. Personne ne peut le changer. J'ai dit aujourd'hui, les scientifiques, les savants ne changeront jamais. Ils peuvent faire des, c'est pas moi, des trucs qui montent avec, je ne sais pas moi, dans d'autres planètes. Bien, mais ils ne changeront pas la loi. Parce que sur la terre, ça ne demande pas des efforts. Ils peuvent aller s'aimer, mais ils doivent dépasser beaucoup. Parce que sur la terre, Dieu a installé la vie sur la terre. Dieu a planté la vie sur la terre. L'homme n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts que si tu vas à Jupiter, si tu vas à Mars. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et la loi que Dieu a régi, la loi que Dieu a arrêtée avec Noé, c'est ce que le monde vit. Nous sommes tous soumis à cette loi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'était le plan de Dieu. C'était dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne cache pas les secrets aux adorateurs. Amen. Oh my God. Amen. Dieu avait sa mission. Il partait. Il partait faire sa mission. Détruire Sodome et Gomorrhe à cause du mal, à cause des problèmes, à cause des péchés. Mais lorsqu'un adorateur, vous savez, un adorateur arrête Dieu. Un adorateur peut arrêter Dieu après être dit, non, est-ce là, on va parler. Parce que nous avons le même cœur. Alléluia. Oui. Un adorateur arrête Dieu. Lorsque l'équipe, oh my God, j'aime la révélation d'Abraham. Il pouvait dire, je prends seulement des gâteaux, ainsi de suite. Je prends seulement, c'est pas moi, des patates douces. Je vais donner à Dieu, il va manger, c'est tout. Non, non, non. Abraham dit à sa femme, il dit, on va tuer un animal. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes des pécheurs. Si le sang ne coule pas, on n'aura pas une conversation profonde avec cet homme. Alléluia. Lorsque le sang coulait, Dieu était là tranquille, il attendait. Parce qu'il est maintenant dans sa demeure. Il y a déjà la sainteté, il y a déjà la purification. Et Dieu attendait. Tout ce qui sortira de cette maison, bien aimé, touchera le cœur de Dieu. Parce qu'il y avait la présence de la sainteté. Alléluia. Oui. Lorsque le Père a mangé, Abraham, il fallait s'arrêter. Le cœur d'un adorateur voyage avec Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit, un adorateur accompagne toujours Dieu. Il ne laisse pas Dieu partir. Il accompagnait Dieu. C'est dans la... Oh my God. Amen. Vous savez, quand Dieu a mangé, c'est pas directement, il commence à penser s'il va dire à Abraham quelque chose ou pas. Non. C'était en cours de route. Si Abraham ne l'a pas accompagné, Abraham n'allait pas savoir. Amen. En cours de route, le cœur de Dieu commence à bouillonner. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un culte. Alléluia. Amen. Cacherai-je? Ça, c'est dans l'intérieur. Cacherai-je ce que je vais faire à Sodome, à mon ami? À mon ami Abraham, cacherai-je? Bien, mais être ami de Dieu, c'est une dimension. Amen. Cacherai-je? Et Dieu, il était là. Abraham, regarde, je vais tuer Sodome. Je ne peux pas te cacher ça. Tu es mon ami. Tu m'as tellement fait du bien. Abraham commence à lui dire, mais écoute, peut-être là-bas il y a 50 personnes. Est-ce que tu vas, toi, je sais que tu es juste. Est-ce que tu as exterminé tout le monde? Et pourtant il y a des justes. Oh my God. Vous savez, Dieu s'est repenti. Mais le problème c'était quoi? À Sodome, il n'y avait pas de juste. S'il y avait des justes, Sodome n'allait pas être détruit. À cause de qui? À cause d'un adorateur. À cause de quelqu'un qui a voulu accompagner, sonner le cœur de Dieu. Comment est-ce que
tu changes le cœur de Dieu. Quelle atmosphère tu amènes dans ta vie? Quelle atmosphère tu amènes dans ta maison? Il y a l'atmosphère païenne, il y a l'atmosphère charnelle et il y a l'atmosphère de Dieu. Amen. Oui. Lorsque tu entres là, il y a l'atmosphère de Dieu. Si tu es spirituel, tu sauras. Et s'il y a la paix éphémère des hommes, tu sauras aussi. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Noé a touché le cœur de Dieu. Dieu a parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui est sorti de Noé. L'adoration, l'équipe sort de l'homme pour toucher Dieu. Cette reconnaissance, cette dimension de témoigner Dieu, cette dimension de poser les actes de reconnaissance. Il y a les actes de reconnaissance et il y a la reconnaissance. Moi, je conseille des gens, quand tu marches, tu veux marcher avec Dieu, il faut chercher à avoir le double impact. Poser des actes de reconnaissance. Amen. Pourquoi dans les actes de reconnaissance, tu peux rappeler Dieu du fait que tu es reconnaissant et tu peux lui rappeler du fait qu'il y a les actes. Yes. Amen. 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 Parce qu'il y a un livre où Dieu écrit des actes. Les actes de reconnaissance sont écrits. Il y a un livre de souvenirs où nous devons réveiller Dieu dans les moments sombres. Tu dis, ouvre, ouvre ton livre, tu me verras. Je suis sûr que je suis là. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais bien que nous puissions retourner à une vie chrétienne authentique. J'ai dit une vie chrétienne authentique. Pas une vie chrétienne ordinaire. Amen. Il y a des choses que les anciens ont fait et ça restait. Et nous avions dit tout au long de ces messages, que nous ne pouvons pas déplacer les bornes ni dépasser les bornes. Il y a les bornes que les anciens ont déjà posées et on ne peut pas les dépasser, on ne peut pas les déplacer. N'ose pas. Tu ne me diras pas la reconnaissance de David, c'était l'ancienne alliance. Non, arrête. La reconnaissance, c'est la... Il n'y a pas la reconnaissance des nouvelles alliances et la reconnaissance de l'ancienne alliance. La reconnaissance, c'est le cœur. Le cœur de l'homme envers Dieu reste comme ça. Amen. Avant et après. Ce sont des esquisses, les gens qui ne veulent pas obéir à Dieu et ils commencent à chercher des prétextes. Changer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Voici un adorateur qui a adoré Dieu, qui a offert à Dieu son culte. Et Dieu, parce que quand je disais que Dieu parle sous plusieurs formes, Dieu peut parler dans la prédication, lors d'un culte. Alléluia. Déjà, quand tu viens, ton attitude, la manière dont tu es sorti dans ta maison, et quand tu viens entrer dans l'assemblée de Dieu, déjà tu honores Dieu, ou bien tu déshonores Dieu. Tu ne vas pas honorer Dieu quand on va commencer à chanter. Non, depuis ta maison, ton cœur doit commencer à plaire à Dieu. Alléluia. Amen. On ne plaît pas à Dieu parce qu'on chante. On plaît à Dieu parce qu'on est disposé. Alléluia. Amen. Oui, on plaît à Dieu parce qu'on est disposé. Parce que Seigneur Dieu, je vais pour toi. Je ne vais pas pour un homme. Raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, nous ratons des choses importantes pour s'attacher aux futilités. J'ai vu ça, mais on a prêché quoi? Non, j'ai vu seulement ça. Tu as vu quoi? Ce que tu as vu, ça ne montera pas. Ça s'arrêtera ici, puis ça va tomber. Mais ce que tu as écouté, c'est ça qui te donnera la valeur auprès de l'Éternel. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Oui. La reconnaissance, c'est ça qui est active et qui est agréable. J'ai dit la reconnaissance. Ça commence par là. Noé a reconnu que lui et sa famille, ils ont failli à la mort. Alléluia. Mais si je regarde dans les réseaux sociaux, je regarde, allez, je ne sais pas, mais je dis la référence, les réseaux sociaux, je vois pas un pourcentage élevé de gens qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Je ne vois pas. Nos attitudes restent la même. Moi, je croyais avoir les gens changer de vie.
Je croyais avoir les gens se revêtir bien. Je croyais avoir les gens. Mais bien de mes forces, c'est quand j'ai vu les mêmes mini-jupes, les mêmes mini-robes, les mêmes mini-culottes, les mêmes, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas le malheur qui changera ta vie. Non, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas les circonstances difficiles, les situations difficiles qui changera ta vie. Non, ce n'est pas comme ça. L'homme change la vie parce qu'il reconnaît que tout ce qui est en lui doit élever le nom. Amen. Alléluia. Salomon, j'aime le cœur de cet homme. Lorsqu'il fut appelé, il a reconnu le bienfait de Dieu. Il a vu d'abord son âge. Il s'est dit, est-ce que moi je peux être établi roi dans ma jeunesse? Je n'ai pas d'expérience. Bien, mais si tu allais chercher le travail, on peut te refuser le travail parce que tu n'as pas d'expérience. Mais Dieu n'a pas vu son amateurisme. Il a dit, je te consacre, tu es devenu roi. Amen. Et lorsque Salomon se présente devant Dieu pour offrir, la Bible dit, il a offert à Dieu mille quoi? Mille holocaustes. Vous imaginez bien les frères et sœurs, pour tuer mille taureaux. Alléluia. Les tuer, les brûler, tout, jusqu'aux os. C'est un grand travail. C'est un grand travail. Et la Bible déclare, cet homme l'a fait. Et lorsqu'il l'a fait, c'était parce que pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Cherchez-moi ce passage. Deux rois, trois. Amen. Mais quand il a fait son travail, le fils, oh my God, Dieu était rassasié de parfums, rassasié de fumée, rassasié de la graisse, rassasié de viande. Dieu avait le temps, il dit, je vais manger d'abord. Parce que je ne peux pas parler maintenant, je suis en train de manger d'abord. Lorsque Dieu a terminé de manger, Dieu n'a pas parlé à l'instant. Dieu a suivi Salomon à la maison. Pendant qu'il dormait, Dieu lui est apparu par un songe. Il lui demande-moi. Oh. Amen. Vous savez, il y a des choses qui m'étonnent. Qui a dit à Dieu que Salomon avait un besoin? Parce que déjà, il est roi. Mais David, Salomon avait un besoin, avait quelque chose à demander à Dieu. Mais comment est-ce qu'il a fait? Au travers son culte, au travers le culte, il y a une prière intégrée. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une prière qui se fait au travers du Saint-Esprit qui parle à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la prière devient spirituelle. C'est une dimension élevée où celui qui sont de l'homme et qui sont de Dieu devient l'intermédiaire. Amen. Il va seulement prendre ce que toi tu as, il amène ça vers Dieu. Et Dieu viendra, il te parlera des choses avec toute précision. Amen. Salomon dit, écoutez Seigneur, pour tous les bienfaits que tu as fait à mon père, David, je les reconnais. Et tu lui as promis que sa descendance le remplacera au trône. Et tu l'as fait. Me voici. Mais père, regarde que moi je suis jeune. Je n'ai pas d'expérience. Je ne saurais pas conduire ce peuple si nombreux. Ce peuple, Seigneur Dieu, que tu m'as donné, ils sont tellement beaucoup que je peux le compter. Je ne saurais pas les juger. Dieu dit, demande, j'attends. Demande. C'est là où on reconnaît qui est un adorateur. C'est là où on reconnaît qui est un demandeur. C'est là où on reconnaît qui est matérialiste dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres demandes qui te donnera que ce que tu demandes. Ça te limitera. Mais il y a certaines demandes qui amènent des ajouts. Amen. Alléluia. Amen. Salomon dit, non, donne-moi seulement l'intelligence. Donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple avec justice. Alléluia. Il s'est limité là. Dieu dit ceci, écoutez très bien. Dieu dit, j'agirai comme tu l'as demandé. Mais j'ajouterai outre la richesse. Alléluia. J'ajouterai la gloire. Je t'ajouterai des choses par laquelle tu seras incomparable dans ce monde. Personne régnera dans la sagesse et dans la richesse comme toi dans ce monde. Et Dieu l'a fait.
Voici maintenant. Si Salomon demandait que la richesse, sans l'intelligence et la sagesse, Dieu allait lui donner, parce que Dieu a dit, j'agirai selon ce que toi tu as dit, selon ce que toi tu as demandé. Dieu n'est pas venu pour contredire la demande de Salomon. Il dit, demande ce que tu fais. Donc il est venu pour écouter Salomon et répondre à Salomon, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, ce que Salomon a demandé, ça a poussé Dieu. Parce que Salomon voulait se ressembler à Dieu. Il voulait bien aimer avoir seulement le cœur de qui d'un adorateur. Or, si tu demandes que la richesse, si tu demandes que des voitures, si tu demandes que des maisons, tu n'auras pas la justice. Alléluia. Tu vas agir dans la justice. Or, un injuste ne plaît pas à Dieu. Alors Salomon n'allait pas régner comme il devait régner, parce qu'à un moment donné, Dieu allait le rejeter à cause de l'injustice. Mais Salomon a demandé la justice pour demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Et Dieu sait que la sagesse d'un pauvre, les gens ne l'écoutent pas si facilement. Je t'ajoute la richesse. Amen. La chose qu'il n'a pas demandé. C'est ça être un adorateur. C'est ça l'avantage d'offrir à Dieu un culte agréable. Parce que ça pousse Dieu à te donner les choses que tu n'as pas demandées. C'est merveilleux. Amen. Des fois, quand on dit aux gens de demander, les gens croient que quand j'adore seulement, je serai en retard. Si je demande, est-ce que Dieu saura? Non. Si vraiment ton cœur te touche, Dieu, l'esprit est là. L'esprit t'aidera. Il t'aidera. Il t'aidera de bien demander. Il te fera du bien. Il dira, il est malade, guéris-le. Même s'il ne dit pas, guéris-le. Amen. Alléluia. Amen. Touche là où il est malade. Yes. Touche là où ça fait mal. Touche. Parce que ton cœur oublie ce que le corps souffre. Ton cœur voit que la beauté de Dieu. Amen. Vous savez comme on dit, tout ce qui est à moi, même tes douleurs, loue l'Éternel. Yes. Oui. Même, n'aimez pas tes douleurs. Tout ce qui est en toi, tout ce que toi tu sens, tout ce qui sort de toi, tes douleurs, bien mes frères et sœurs, loue Seigneur, je te loue parce que je souffre. Yes. Ça c'est provoquer Dieu. Amen. Yes. Amen. Amen. Dieu répond. Ça c'est la deuxième partie qui concerne l'homme, ce qui concerne les attentes de l'homme. Lorsqu'on adore, Dieu nous répond par nos attentes. Amen. Amen. Oui, il peut apparaître en songe comme il est apparu à Salomon. J'aimerais te dire, pendant que il y a des gens qui disent, ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien. Non, c'est parce que tu es ignorant de la manière dont Dieu agit. Si ça fait longtemps que tu adores, toi continue à adorer. Alléluia. Peut-être Dieu mange encore. N'attends pas qu'il parle pendant qu'il mange. Si bien aimé, il a encore la nourriture dans la bouche, quand il parlera, tu ne vas pas bien écouter. Alors il ne va pas parler deux fois. Laissez-le manger. Quand il va terminer, il te suivra partout. Amen. 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 Toi, fais seulement ce que Dieu aime. Rends le culte bien aimé chaque jour. Rends les hommages chaque jour. Sois soumis chaque jour. Aimez Dieu chaque jour. C'est ça en fait, je suis en train de dire. Aimez Dieu. Aimer faire la volonté de Dieu. Fouiller le mal. Abandonner les mauvais amis pour l'intérêt de Dieu. C'est ça, être un adorateur. Le cœur d'un adorateur. Alléluia. J'aime lorsque Dieu a répondu un homme dans la Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 1er. Nous commençons au verset 5. Ce sera notre dernier verset. Luc chapitre 1er, au verset 5 à 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Vous savez, les sacrificateurs sont des adorateurs à vie. Amen. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et sa s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen.
Il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est pas parce que vous êtes maudit. Non, il y a des choses qui nous arrivent, peut-être le malheur, mais c'est dans le plan de Dieu. Toi, continue à être juste devant Dieu, continue à offrir à Dieu tes sacrifices. N'est pas resté borné dans la malédiction des hommes, dans les choses que les gens disent. Amen. Amen. Et la Bible dit, oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, c'était quoi? Il présentait à Dieu quoi? Les sacrifices de midi. Amen. Amen. Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, par le vote. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. C'est ça, offrir les parfums là, c'est ça les cultures. Les parfums là, c'est ça qui monte vers Dieu. Alléluia. Les parfums là, c'est ça qu'on appelle l'adoration suprême. C'est ça, bien aimés frères et sœurs. C'est pas aller acheter les parfums boutiques pour répandre à Jésus. Non. Ça, les parfums là peuvent sortir de n'importe quoi. Oui. Amen. Tu donnes une maison à Dieu. La maison commence à devenir parfum. Yeah. Ça commence à libérer, my God. Amen. Ça commence à dégager les parfums. Mais ça, ce sont des briques. Comment ça dégage les parfums? Dieu est compliqué. Il ne mange pas les briques, mais les parfums des briques. Amen. Oh, my God. Il faut seulement arriver pour comprendre. Yes. Est-ce que l'argent donne les bons parfums? Alléluia. Mais ton argent, lorsque ça constitue un kilt, va nourrir Dieu. Yes. Pourquoi? Parce que ça va dégager un parfait. Yes. Et les parfaits que Dieu aime. Amen. 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 Et la Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'air du parfum. Parce qu'ils étaient là et ils priaient. Lui, il était là en train d'adorer. La Bible ne dit pas que Zacharie priait. Zacharie offrir à Dieu un culte. Et les gens devront prier. C'est comme ça. Amen. Alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie et se tient debout à droite de l'auteur de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparait. Vous voyez, ça révèle le trône de Dieu. Vous savez, l'auteur de parfum, c'est un homme. Amen. C'est l'homme à qui on répand les parfums. Mm-hmm. Et cette révélation, bien-aimée, a été, n'est-ce pas, exécutée par une femme qui est venue auprès de Jésus avec les parfums d'albâtre. Mm-hmm. Et cette femme-là, c'est celle-là qui est l'ombre de Zacharie. Pourquoi? Parce que la femme a amené le parfum et il a répandu où? Dans l'autel des parfums. Vous comprenez? Oui. Cet autel de parfums, c'est Christ. C'est Jésus. Amen. Amen. Et lorsque cette femme a répandu, parce que la femme a rendu un culte à Dieu, et à cet instant, comme lors du culte, il y a toujours la réponse, Dieu a parlé. Amen. Il dit, vous voyez cette femme, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera, aujourd'hui je parle d'elle. Amen. Si tu veux rester dans la mémoire, dans les annales de Dieu, sois un adorateur. Amen. J'ai dit, si tu veux rester dans les annales de Amen. Dieu, dans la souvenir de Amen. Dieu, dans le cœur de Dieu, Amen. Que les gens te parlent, yes. Sois un adorateur. Amen. Zacharie dépassait un âge. Et l'ange lui est apparu. Parce que lorsqu'il y a le trône, il faut que les anges apparaissent. Mmh. Ouais. L'ange apparaît. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez, cela veut dire que Jean, Zacharie et sa femme demandaient l'enfant à Dieu. Alléluia. Ils demandaient l'enfant à Dieu. Mais ces jours-là, Zacharie n'était pas dans la prière de demander. Il était en train d'adorer. Alléluia. Et lorsqu'elle adorait, la prière qu'il le fait dans sa maison, le Saint-Esprit l'a pris, il a amené ça auprès de Dieu et lui a montré les besoins de Zacharie et de sa femme et l'ange lui a amené la réponse. Il dit,
ta prière est exaucée. À cause de quoi? À cause de son culte. À cause du parfait qui est monté auprès de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup demandé, change les choses. Change les stratégies. Change. Il faut qu'il ait un shift. Amen. Zacharie, on l'a répondu. Vous savez, il y a des choses. Tu peux changer la vie de ta famille. Tu peux changer la vie de... Ce sont des choses. Des fois, les gens ils commencent à croire que parler de certaines choses, c'est un tabou. Non, ce sont des principes de Dieu. Il faut avoir du courage pour dire certaines choses afin que les gens arrivent à saisir la main de Dieu. Alléluia. Oui, il faut avoir du courage. Il y a des choses, tu changeras, tu rachèteras même la vie de ta famille, la vie de tes enfants, la vie de ta famille élargie par écoute. Oui, par écoute. Pas forcément parce que tu plais. Et parce que tu poses un acte à Dieu, à chaque moment, quand tu vas devant Dieu, tu lui rappelles, Seigneur Dieu, regarde. Seigneur, regarde. Regarde. Regarde mon adoration. Regarde mon adoration. Le Seigneur est là. Toi, tu restes tranquille. Tu sais qu'il est Dieu. Tu sais qu'il a, il t'a exaucé. Il te répondra. Il mange encore. Il va te dire quelque chose. Il termine de manger. Il va te dire quelque chose. Tu dois avoir la foi que lorsque tu poses un acte à Dieu, un acte d'amour, un acte d'adoration, le Seigneur se lèvera et le Seigneur agira. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs qui peuvent appeler? Amen. Frère Joseph, c'était pendant 10 jours qu'on a parlé de ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais bien que le cœur de David, le cœur de Noé, le cœur de Salomon, le cœur de Zacharie agissent. Alléluia. Celui qui connaît, qui reconnaît les bienfaits de Dieu, je vous ai montré comment le faire. Je vous ai montré la reconnaissance, je vous ai montré l'acte de reconnaissance. Je vous ai tout dit. La parole de Dieu, on les pratique. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, on les pratique. La parole de Dieu, on ne l'écoute pas seulement, mais on les pratique. J'avais dit, pour terminer, j'avais dit un truc hier. J'avais dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Il me fait reposer où? Dans les verts pas. Dans les verts pâturages, tu vas bien manger. Mais qui te fera manger? Qui t'ouvrira la bouche? Qui ouvrira ta bouche pour manger? Alléluia. Les verts pâturages sont là. Tu es là. On est de manger. Toi, Dieu, donné les... tu sens. Tu vas retourner dans la famille. Alléluia. On te repose sur les verts pâturages. N'est-ce pas, tu dois manger? Ouvre ta bouche pour manger. Amen. C'est ça, pratiquer la parole. La parole, c'est ça, le verts pâturages. Ça te montre les solutions. Ça te montre les chemins. Et quand tu es là, tu regardes comme ça. On dit qu'il faut aller à gauche, toi tu es là, tu regardes. La Bible dit, lorsque on adore Dieu, il nous envoie la parole pour nous éclairer. Et la Bible continue à dire que la parole de Dieu, c'est ça qui guide nos pas. J'ai aimé l'expression et le verbe qu'on a. Vous savez, guider, c'est quoi? C'est permettre à quelqu'un de prendre de bonnes lignes. C'est la parole. La parole, c'est un homme qui te dit, prends ton pied ici, mets ça là-bas, tu prends l'autre pied, tu le mets de l'autre. Et tu marches comme ça, on te guide. C'est ça la parole de Dieu, l'importance. Mais pour avoir cette dimension, pour avoir cette réponse de la part de Dieu, c'est cette aide de la part de Dieu, il faut que quelque chose monte, il faut qu'un parfum, il faut qu'il te montre, lui montrer que sans toi je ne saurais pas marcher. J'aime les gens comme Moïse, il dit si tu ne passes pas devant moi, je ne quitterai pas ici. Parce que je ne connais pas le chemin, tu dois me guider. Alléluia. C'est ça. Mais lorsque nous croyons que l'Église,
C'est traditionnel, c'est quelque chose de l'ordinaire. Parce qu'on se connaît des fois, parce qu'on se voit, parce qu'on mange, parce que... Mais ça, c'est profaner ce qui est sacré. Je parlais du sacré pour ceux qui n'étaient pas là. Bien aimé, la parole de Dieu est sacrée. L'ensemble de Dieu reste sacré. L'église reste sacrée. Ta vie reste sacrée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abondamment. Amen. Amen.